Donc tout d'abord, félicitations pour cette médaille de bronze. Première question, qu'est-ce que ça vous fait ? Hyper plaisir, une récompense au travail, au parcours que j'ai eu. Magnifique, merci beaucoup. Super. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce combat ? Parce que c'était très, très, très serré, on a vu. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Je pense que c'est juste une question de mental, une question d'envie. Et là, je voulais rien lâcher, quoi. Rien du tout. Alors, c'est génial. Ouais. Bah, bravo. Ensuite, on peut parler un peu de ces mondiaux en général. Comment est-ce que vous les avez vécus ? Passer vos premiers mondiaux, c'est ça ? Qu'est-ce que ça fait d'être dans les mondiaux et d'arriver jusque-là, en fait ? En fait, ce que j'ai adoré dans ces mondiaux, c'est le parcours que j'ai fait. J'ai fait des super matchs, je suis content de chacune de mes victoires. J'ai rien volé à personne, c'était que du job, que du travail de la première seconde à la dernière. Et c'était incroyable, quoi. Vraiment incroyable ces mondiaux. Tout à fait. En parlant de ces championnats qui sont terminés maintenant pour vous, quelle sera la suite ? J'espère les Europes l'année prochaine, peut-être même les Jeux européens. Les mondiaux l'année suivante et déjà juste dans 2 semaines les championnats suisses pour nous. Ouais. On vous souhaite tout le meilleur pour ces championnats suisses. Un dernier mot, on sait qu'il y a plein de jeunes qui vous regardent. Selon vous, si un jour ils veulent être à votre place, quel serait le meilleur des conseils que vous pouvez leur donner ? Franchement, faites-le avec plaisir, donnez-vous à fond et pas de regrets. Donc que ce soit une place au monde ou une place aux Europes, une place à un championnat du quartier ou n'importe, donnez-vous à fond, faites-le avec plaisir. Quoi. Voilà. Félicitations encore et puis tout le meilleur pour la suite.